Bellizer House. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Warcraft Adventure. Aujourd'hui, on va s'occuper du téléporteur qu'Oculette nous a demandé de faire. Et puis on verra bien ce qu'on fera en temps utile. Nous avons pas mal de choses encore à faire. Et encore à expérimenter. Ne vous inquiétez pas, je sais exactement ce que je fais. Quand je dis exactement, c'est exactement. D'accord ? On a encore pas mal de choses à faire dans cette série, hein, chers amis, donc ne vous inquiétez pas. C'est la première fois qu'on va aussi loin dans une extension. Le reste des extensions, on les avait pas fait de trop non plus. Mais là, ici, on peut se le permettre, puisque l'extension va durer un sacré moment. On aurait pu le faire sur Warlord, mais là, le but à Warlord... Oh, du mana. Le but à Warlord était clairement pas de faire ça, hein, parce que Warlord était vraiment pas l'extension... Déjà, de 1, qui me bottait le plus, et puis de 2, qui m'a permis de faire ce que je suis en train de faire ici, hein. Donc là, l'avantage ici maintenant avec les expéditions, eh bien, c'est que je peux aller sur un perso pendant 25-30 minutes, jouer et puis m'occuper d'autre chose. Ce qui est parfait. Alors, la balise. J'aime autant vous prévenir. Le lever risque de révéler des anomalies téléspatiales, voire une ou deux ondes transtemporelles. Mais rien que vous ne puissiez gérer. Parce que là, on est good. Ah, là, on est un peu moins, par contre. Ouais. Déjà, un. Merci. Genre, je vais faire ça cette fois, quoi. Alors... Hop, ouais, on va aller fermer ce truc là d'abord. Je peux pas le fermer? Pourquoi? Pourquoi que je peux le fermer? Et à la fin, on va avoir le gros, comme d'habitude. Oh non, tiens. Une tentacule. À 5 points de la fin. Comme c'est étonnant. Levée terminée. À présent, placez le relais. Je place le relais. N'hésitez pas à vous en servir. Sur de courtes distances, cela consomme très peu d'énergie. Nous pouvons commencer à restaurer la matrice. Si vous trouvez certains de mes anciens relais, ne manquez pas de les activer. Ok, on s'en occupera. Alors. Je jure de libérer Suramar des griffes de la Légion. Mais d'abord, je dois reprendre des forces. Il nous faut un plan. Pêche à la ligne. L'Arcavia a été construite afin de nous permettre d'accéder aux lignes telluriques magiques courant sous Suramar. Cependant, à mesure que nous avons appris à subsister grâce au puits de la nuit, nous avons cessé d'utiliser ces installations. Il est évident que cette salle reçoit de l'énergie venue de l'extérieur. Elle n'y arrive plus qu'au compte-gouttes désormais. Mais si vous pouviez détourner celle des autres lignes telluriques, cela devrait nous permettre de nous alimenter. La source de puissance la plus proche se trouve au nord, près du creux
d'Anora. Le seul n'oubliez pas que le téléporteur vous permet de vite regagner la surface. Le creux d'Anora est quelque part au nord. Alors, c'est ici. Ok. Alors, vu que c'est quelque part au nord, eh bien, on va suivre la route du nord. En prenant, bien évidemment, tous les trucs qu'on peut prendre. Ça, c'est évident. Alors... Oui, je me suis probablement trompé de route. Mais bon. Il est là-bas. Yatta! Voilà. Pourriez-vous appuyer sur l'autre interrupteur, je vous prie? Voilà. C'est enfin ouvert. À présent, je vais vous tuer. Un dernier mot? Montrer le gage de Talisra à Val 3. Ah, je reconnais ce symbole. Ainsi, Talisra recrute des étrangers maintenant? Sommes-nous si désespérés? Fort bien. Je suis Val 3. Nous sommes loin du puits de la nuit. Toute source de magie sera la bienvenue. Oh, j'adore ça. J'adore cette quête. Alors, qui êtes-vous au juste? Ce poste a été laissé à l'abandon. Le circuit est hors d'état de marche, et pour le réparer, il faut recharger les seaux de la salle principale. Deux types de courants sont nécessaires pour chaque seau, de haute et de faible intensité. Faites en sorte que tous deux soient dirigés vers le même seau, puis activez-le. Moi? Je me charge de superviser l'opération. C'est vous, l'homme à tout faire, après tout. Ah, bah c'est gentil. Merci. De haute intensité. Vous trouverez à l'autre bout du complexe une bobine de faible intensité. Les deux courants alimentent la salle centrale. Utilisez les bobines et les interrupteurs pour rediriger l'énergie vers les quatre seaux de la salle. Merci, c'est gentil. Ok. Jusque là, on est good. Bon, bah, c'était pas celui-là qu'il fallait que je change, c'était celui-ci. Les courants sont alignés. Activez le saut. Hop, et 2-1. Beau travail. Plus que 3. Alors. Si on passe de l'autre côté, on va prendre le boost de vitesse. Et ici, petit boost. Protection tellurique. Bon, j'ai utilisé 25 de madame, mais je sais pas pourquoi. Hop. Ok. Alors, ça va probablement faire celui-ci. Voilà. Et nous, c'est celui-ci qu'on cherche. Du coup, comme ça, ça nous fait 2. Alors. C'est ici. Non, c'est ici. Là, et ensuite, il ne nous reste plus que le dernier à couvrir.
Hop. Et voilà. C'est fait. Le poste est de nouveau opérationnel. Eh bien voilà. L'énergie tellurique raffinée produite ici ira alimenter Chalaran. Oui. Alors, il faut bien avouer que vous m'impressionnez. Vous pourriez peut-être même vous avérer utile, qui sait? Les bons serviteurs se font rares. Vous pouvez partir. J'irai à Chalaran par mes propres moyens. Allez, c'est tout. Rien. Rien de rien. Le reste, je peux m'en battre les couilles, en fait, en vérité. Je peux me dire d'aller me faire enculer, quoi, clairement. Ok. Ok. Non, mais je retiens. N'hésite pas. Ça me fait mal. Oui. On est dans le creux d'Anora. Heureusement que j'ai un téléporteur sur place. Enfin, sur moi en tout cas. Mais. Souffre nuit debout, il m'en reste deux. Oula. Deux à faire. La lumière des profondeurs et l'alimentation de Chalaran. Et n'oubliez pas d'amener la Noctone avec vous. Soit, puisque vous assistez. Et n'oubliez pas d'amener la Noctone avec vous. Ok. Alors, à présent que l'énergie des lignes telluriques afflue d'Anora, cette salle va pouvoir se remettre en route. Mais le processus sera long, et il nous faudra veiller à ce que ce soit à l'insu de nos ennemis. Autant dire que cela nous demandera beaucoup d'efforts et de concentration. De plus, utiliser le mana sous cette forme présente un dilemme extrêmement difficile. Un afflux trop faible ne nous suffirait pas, mais s'il est trop important, il risque de nous désintégrer. Il reste fort à faire, mais commençons donc. Pardon, par examiner notre alimentation en énergie. Examiner l'alimentation en énergie tellurique de Chalaran avec l'arcaniste Val 3. Et Val 3, gardez votre condescendance pour vous. Si les étrangers n'étaient pas intervenus, aucun d'entre nous ne serait ici. Bien sûr, premier arcaniste. Venez. Sale pute, sale pute! C'est pas tard, je le sens pas. Vous vous y connaissez en énergie tellurique? J'imagine que non. Qu'est-ce qu'elle est lente, OMG. Permettez que je vous en explique les rudiments. Loin en contrebas, des rivières de puissance arcanique brute irriguent ces terres. Éternelles et sauvages, les lignes telluriques échappent à toute forme de contrôle. Cependant, comme on file le coton, il est possible de puiser le pouvoir véhiculé par ces lignes. Vous voyez, ce flux-là provient d'Anora, et il y en a bien d'autres encore en sommeil. Restaurez-les pour nous aider à créer un nouveau socle de pouvoir à Chalaran. Je ferai de nouveau appel à vous, cela ne fait aucun doute. Oh! Oh! Talisra, qu'est-ce que se passe-t-il? Communion arcanique. Toutes les expériences menées par Keldanat pour établir un lien avec les friteries ont échoué, quand elles n'ont pas empiré les choses, jusqu'à ce qu'il trouve Terrine. Son essence arcanique, la substantifique moelle des châles d'oreille, avait été touchée par quelque chose de spécial. La question est quoi? En mêlant mon essence arcanique à celle de Terrine, je peux créer un lien empathique. Cette communion nous permettra de mettre son âme à nu, ou du moins ce qu'il en reste. Il nous suffit de lui faire avaler du mana, beaucoup de mana, et nous pourrions commencer. Faites avaler 300 doses de mana ancestral à Terrine. Perdre votre temps avec ces créatures.
sur Amar. C'est exactement ce que je fais. Et j'en ai que 100 monétaires. Bon, eh ben, je vais devoir aller farmer. Oui. C'est le farming. Pour pouvoir finir la quête, souffre nuit, debout. La première partie des suites de quête seulement. Parce qu'il y en a encore de nombreuses. Bon, je vous avoue que là, je commence un petit peu à fatiguer. Il est minuit 42. Donc effectivement, je commence un petit peu à fatiguer et mes blagues ne sont pas toujours de bon goût. À cette heure-ci. Alors... Ah, rien. Non, mais attends, il doit quand même y avoir quelque chose, c'est pas possible là. Oh. Une quête là avec un paye. Qu'est-ce qu'il veut? Absolument. Salutations. 312. J'ai commis des erreurs. Je vais me racheter, je vais vivre. Mais la folie, la flétrissure. Bon, allez. Elissande vous guide. Je suis pas un connard. Calteros Maldi. 75 points quand même, quoi. Ouais, je t'ai sauvé avec 100 putains de mana. Que j'avais déjà pas pour... Le petit que je t'ai filé. Alors j'espère que tu vas en faire bon usage. Oh que oui, je l'espère. Putain, mais y'a rien dans ce bled tout naze. Faut croire qu'il y a rien. Allez, sérieusement. Ah bah voilà. Il suffisait de le demander. On a un paquet à farmer. Alors, s'il te plaît, ne complique pas les choses. Hop. Ah. Je n'avais point vu qu'il y en avait encore un par là-bas. Hop. De toute façon, on a encore la campagne du mage à faire et tout, donc vous inquiétez pas. On a encore du boulot. Ok, oui. Là, c'est tout simplement que je commence en fait à fatiguer par rapport aux enregistrements. Je pense que je ferai le reste demain. Du moins, peut-être demain matin. Ou tout à l'heure. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Hop. Alors, j'ai récupéré 50% de ma mise de départ. Guacamole, c'était pas de mon équipe. Guacamole. Oui, mais alors non. Non. Non, je veux pas être d'accord. Non, non mais non. Je suis pas d'accord. Des sacres nuits en exil sont retenus prisonniers par la Légion. Libérez-les de l'horrible sort qui... Mais je m'en bats les couilles. Rien n'a... Quitte moi. La Légion a frappé à notre porte. Et Elissande l'a tout simplement laissé entrer. Quelle honte. Frappez le bastion Gangram. Montrez à la Légion que nous ne sommes pas tous facilement soumis.
Moi, je viens juste pour le mana, hein, ma fille. Je viens juste pour le mana, moi. Mana, mana. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Là, il y a des trucs de mana. Il y a des trucs de mana. Oh yeah. Il y a des trucs de mana. Hop là. Bon, ce qui nous fait 171. Oula, pardon. Je disais donc, on est à 171. Bon, il nous en reste encore 13 à trouver. Mais ce sera de toute façon, quoi qu'il arrive, pour le prochain épisode. Si je commence vraiment à bien fatiguer ici, il faut quand même que je me lève à 9h. Et j'ai quand même encore d'autres choses à faire. Entre-temps, la prochaine fois, parce que là, on risque pas d'avoir des quêtes avant d'avoir fait les 300, de toute façon, de mana. Mais la prochaine fois, on continuera peut-être la suite de quêtes du domaine des mages, tiens. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être même plutôt pas mal. Moi, de mon côté, bah, vous savez bien, hein, je vais continuer à faire les expéditions en espérant arriver le plus rapidement possible à Surama. Alors pour ça, il faudrait que je fasse chacune des expéditions. Mais je vous avoue que là, ce soir, aujourd'hui, j'ai pas envie. Eh bien, pour le reste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prendre soin de vous, mettre un petit pouce bleu. Vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Prendre du plaisir aussi à regarder mes vidéos, hein, ça c'est important. Et ensuite, allez visiter le lien de mon partenaire qui se trouve dans la description. Prenez soin de vous, faites bien les geeks, salut à tous! Eh, si, pour être abonné à cette chaîne, tu sais, il y a un bouton juste pour cliquer là, en dessous. Oui, voilà, t'y es presque, voilà, clique, et tu fais s'abonner. Voilà, ça c'est bien.